Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui, on va tenter de résoudre le problème de tout ce bois qui traîne à droite à gauche. Et je vais essayer de me créer un rangement. Un rangement pour mon bois brut, le bois intéressant et que j'ai envie de garder. Pour ça, je vais utiliser des chutes en fait de tasseaux que je vais couper pour faire un espèce de rangement qui va se composer de trois éléments. Le premier élément va être vissé au mur, le deuxième élément va supporter les morceaux de bois et le troisième élément va renforcer cette structure. C'est une construction qui est extrêmement simple, le tout m'a pris une petite demi-heure. Je vais pas mettre de colle, je vais juste mettre des vis pour pouvoir éventuellement, si jamais j'ai besoin de le transformer, pouvoir le faire. Et vous l'avez vu, la construction est super simple. J'utilise une visseuse, une perceuse, une petite scie pour découper ça, pif paf pouf, et je vais faire 4 éléments. Ces 4 éléments vont être vissés au mur, et je vais pouvoir y accrocher les morceaux de bois que j'ai envie de garder bien plats, et surtout à l'abri de l'humidité et de la poussière, pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne traînent pas à droite à gauche, et qu'ils ne soient pas abîmés par mes gardes. Donc là, je finis de construire les 4 éléments. Et ensuite, on va pouvoir percer les trous et aller les installer sur le mur. La situation dans mon atelier n'est pas idéale. J'ai beaucoup de choses sur les murs. J'ai beaucoup de choses qui me servent à faire tous mes trucs de tous les jours. Et donc là, j'ai fait vraiment un petit rangement pour les quelques dizaines de morceaux de bois qui sont de bois de qualité. C'est-à-dire, c'est soit du chêne, soit du merisier que j'ai vraiment envie de conserver pour une utilisation prochaine. Maintenant que tout est prêt, je vais commencer à installer mes éléments. Et bien sûr, je mets une première vis et j'utilise mon niveau pour mettre ces différents éléments. Après, c'est relativement trivial. Je prends mon niveau, pif paf pouf, un petit coup de vis, et je peux mettre les 4 éléments qui vont soutenir tout le bois que j'ai envie de stocker. Et après, c'est relativement trivial une fois de plus. Ça n'a rien de super compliqué ce mini-épisode. C'est juste pour vous dire, si vous avez une petite heure ou même une grosse demi-heure, que vous avez besoin de réorganiser un tout petit peu votre atelier, c'est possible. Alors c'est pas super accessible, c'est vraiment pour le bois que j'ai envie de stocker. Et qui, comme vous le voyez, prend vachement la poussière. Qui va me permettre de le mettre hors de portée de tous les projections, de toutes les peintures, les trucs à droite à gauche, et qui me permettra dans de futurs projets les utiliser. Et en même temps, je fais un petit striptease et je montre mon ventre à tout le monde. Voilà, c'est tout pour ce mini-épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous donnera envie de construire des choses. A très bientôt et que la barbitude soit avec vous.